D'abord, je voudrais remercier la Banque Populaire pour cette initiative autour de la relance de l'investissement des PME. Il faut savoir que les PME représentent 90% du tissu économique national et que la région de Casablanca-Stade aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique économique très forte. La région de Casablanca-Stade pèse 33% du PIB national, est une région qui est beaucoup plus industrielle avec 50% des industries marocaines qui y sont implantées, trois grands ports d'accès tels que le port de Mohammedia, le port de Casablanca et le port de Jorf el-Asfar. Et c'est en même temps une région qui est beaucoup moins agricole que les autres régions puisque seulement 11% du PIB national au niveau agricole se trouve dans notre région. Donc pour nous, l'industrie et les services deviennent au cœur de notre stratégie pour pouvoir faire de Casablanca une région qui soit en croissance et qui fait qu'aujourd'hui d'autres régions deviennent très compétitives, telles que la région de Kenitra, la région de Tanger, et qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus créatifs pour pouvoir accompagner les PME dans leur développement. Alors au cœur de la stratégie de la région, nous avions mis en place deux éléments clés pour pouvoir accompagner de manière pragmatique et de manière opérationnelle les entrepreneurs. La première stratégie, c'est de mettre en place à leur disposition des zones industrielles qui sont financées par des sociétés de développement régional financées dans lesquelles la région est actionnaire à hauteur de 100%. Il y a une première zone industrielle qui a été lancée qui est à Hayl Roulem et qui est de 10 hectares et qui va être orientée exclusivement pour l'industrie du cuir. Et il y a une deuxième zone industrielle à Stade qui a été lancée de 60 hectares et qui va être dédié pour tout ce qui est industrie, agro-industrie, et dans laquelle nous allons lancer aussi, nous aspirons à lancer la première bourse de bétail au niveau national pour avoir les prix de manière beaucoup plus transparente et une compétition qui soit libre. Il est important aussi de noter que cette stratégie de mise en place et à disposition des PME du foncier, elle est extrêmement importante parce que le foncier représentait un élément important comme blocage par rapport à la croissance des PME. Mais en même temps, il faut qu'on mette en place des outils de ressources humaines et de formation pour pouvoir accompagner ces PME à pouvoir trouver les ressources humaines adéquates pour se développer. Et à ce titre, la région de Casablanca-Stade a un bassin d'universités et de formation professionnelle de plus de 200 000 étudiants par an qui sont là et qui font que nous aspirons à pouvoir améliorer la qualité du output, puisque aujourd'hui, sur les 200 000 étudiants que nous avons, seulement 40 000 sont dans des filières professionnelles qui sont adaptées aux besoins de l'entreprise. Et donc, on doit travailler dans le cadre d'un programme qui soit véritablement pris en amont pour pouvoir orienter les étudiants à partir du baccalauréat et même avant, sur des filières professionnelles, qu'ils puissent avoir un débouché professionnel dans notre région, mais en même temps les orienter vers de nouveaux métiers qui sont en train de monter, tels que l'industrie automobile, tels que l'aéronautique, tels que le offshoring, et qui font qu'aujourd'hui, dans la nouvelle vision qui a été mise en place au niveau de la formation professionnelle et initiée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous sommes en train de faire de Casablanca une région où les priorités sont l'industrie, mais aussi le offshoring et tous les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver pour que notre bassin de formation professionnelle puisse prendre en compte les nouveaux métiers et adapter la formation aux besoins des entreprises et du monde industriel, notamment les PME. Alors oui et non, ceci était un avantage compétitif historique. Le fait que Casablanca était une place financière avec les banques qui existait à Casablanca et le Casablanca Finance City qui est aujourd'hui un atout pour nous en tant que hub national mais aussi hub régional au niveau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Et non, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons d'autres régions qui apportent des atouts importants tels que la région de Tanger et le port de Tanger Med, la région de Kenitra avec son intégration industrielle sur le hub et sur le marché de l'automobile en tant qu'arrière-plan à Tanger. Et qui fait que nous devons redoubler l'effort pour faire en sorte à ce que Casablanca soit plus compétitive à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau financement, au niveau foncier, au niveau formation et au niveau, pourquoi pas, fiscalité régionale, puisque aujourd'hui nous devons trouver des moyens créatifs pour pouvoir attirer des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient marocains.
Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.